Ok les gens, c'est Navator, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour ma part, ça va pas très bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur du Fortnite. Malheureusement, une très mauvaise nouvelle pour certains joueurs. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une très mauvaise nouvelle et puis pour beaucoup d'autres, surtout pour les joueurs pro. Donc aujourd'hui, les gens, ça sera une vidéo sur pour vous montrer que le Turbo Build, je sais pas si c'est un bug ou il a été enlevé. Du coup, je suis en compagnie de Joker Matisse. Donc voilà, je vais vous montrer à quel point le Turbo Build a été nerf, à quel point c'est facile de mettre des balles à travers. Et puis donc voilà, on va tester tout ça. Donc Mathis, tu peux parler aussi, hein, t'inquiète pas. Du coup, on va vous montrer sur différentes armes. Du coup, on va tester. Là franchement, je vais tirer. Là, je vais full spam. Hein. Donc franchement, à quel point la méta spam elle est avantagée pour les débutants. Voilà, le moment il va rester appuyé. Avec une AR ça passe. Avec une AR rafale ça change pas. Je casse même le mur derrière par contre, je comprends. Mais par contre avec une PM c'est insane. On a essayé tout à l'heure franchement. Hop ça passe. Il y a au moins 4... Là, je suis à 95 HP. Franchement il y a... Attends, on va tester avec une autre arme. Avec celle-là. En fait, ça dépend des armes, mais il y a toujours au moins une balle qui passe sur au moins un chargeur. Mais en fait, là, limite, c'est un avantage laco. Ah, l'air bleu, ça marche pas en fait. Ah, toi, il y a une balle qui passe. Ouais, disons que sur un chargeur entier, il y a peut-être 2-3 balles qui passent. Vas-y, essaye avec l'autre. Une balle, deux balles. En plus des tests. Enfin, oh. Oh, voilà. C'est n'importe quoi. En fait, c'est avec les trucs spam quoi. C'est le spam. Regarde, maintenant on va essayer la reprise de mur. Ouais, c'est exactement ça en fait. Parce que avant c'était ça, mais là c'est encore pire comme le culture de ville. Oh, tu l'as eu? Ouais, je l'ai eu direct. Attends, on va essayer. Du coup, on va essayer. Alors, j'aurais dû mettre un truc, mais c'est pas grave. Du coup, là, franchement, c'est pour vous montrer à quel point c'est insane. Alors, là, il l'a eu. Là, il l'a eu. Bah, du coup, là je teste avec. Pour vous montrer à quel point ça a été nerf le Turbo Build en zone des 90. C'est insane. C'est. C'est beaucoup moins fluide. Ouais, on fait des 90 normal. En fait, le mur de gauche il se pose jamais. Le mur de gauche il se pose jamais. Un mec pour faire franchement, c'est insane. Bon, après, moi je suis pas le meilleur niveau build pour bullfight et tout, mais on ressent vraiment la différence quoi. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, si on va faire des 90. Faut que t'ailles un peu plus doucement en fait quoi. En fait, moi je trouve que les manettes, en se tournant et tout, mais franchement les claviers souris ça doit être horrible. Là on y arrive mais vraiment vite fait quoi, c'est... Genre les CS ça doit être horrible franchement. Ouais après, tous ceux qui font des bullfights et tout, franchement je comprends pas mais c'est... Voilà quoi. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En espérant que tout ça soit un bug. Et que ce soit vite corrigé parce que franchement pour tout ce qui est niveau des bullfights et des show match, tout ce qu'ils font, tout ce qui est arène, là si vraiment là ça sera vraiment une méta spam, c'est vraiment horrible. Tu prends vraiment 3 PM silencieuses quoi, c'est bon quoi, t'es tranquille, t'as juste à spammer et t'es bien. Du coup en tout cas merci à Mathis d'avoir participé, de rien. Donc voilà, on espère que tout ça soit corrigé, puis voilà quoi. Donc sur ce les gens, on se retrouve, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur à tirer du Banavator dans la boutique, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à acheter le petit pack sadique en partenariat avec Borderland qui va sortir le 10 septembre. Perso c'est pas un jeu que j'apprécie mais bon c'est pas grave, chacun ses goûts et ses couleurs. Du coup les gens, moi sur ce je vous laisse sur ça et je vous dis ciao ciao.